Bonjour, cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte de la lettre aux Romains, chapitre 5. Et si vous me permettez, verset 3, on a bien plus que nous nous réjouissons même dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance à l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a versé son amour pour nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et dans ces temps où, au Canada, on s'apprête à débattre et voter la loi C-14 sur l'aide médicale à mourir, le suicide assisté, beaucoup de personnes interviennent dans le débat, naturellement. Et les mouvements religieux aussi interviennent. Et je pense qu'il y a une majorité qui est mal à l'aise avec ce concept-là d'aide médicale à mourir, de suicide assisté, à cause de textes comme celui-là. Parce que souvent, et historiquement, la souffrance est perçue comme quelque chose de bon, ou du moins, c'est quelque chose qu'il faut endurer, là, on gagne des badges d'honneur avec la souffrance, là. Je me souviens ce qu'on disait au sujet du pape Jean-Paul II durant ces derniers mois, puis on le voyait, là, cet homme-là, il était malade, puis il souffrait, puis comment que c'était, les gens disaient que c'était beau, puis c'était un bon don pour l'humanité de voir quelqu'un souffrir. Là, ce qu'on dit, mais pauvre vieux, aidez-le, ça, je veux dire, ça en était quasiment triste. Et souvent, là, des cas comme ça que c'est moral, puis la souffrance, c'est faite pour s'endurcir, puis c'est faite pour montrer aux autres aussi, apprendre aux autres. C'est sûr que c'est toujours plus facile de tenir ce discours-là quand ce n'est pas nous qui souffrons, ou quand ce n'est pas notre mère, notre père, nos enfants qui souffrent. Là, ça commence à être un peu plus difficile. Là, il commence à avoir des zones de gris. Moi, personnellement, je me souviens lorsque ma mère était aux soins palliatifs. Puis on parle ici là, soins palliatifs. Là, c'était resté quelques heures à sa vie. Et bon, je connais pas le terme médical là, mais c'est comme si y avait de l'eau dans ses poumons, puis comme si elle se noyait. Puis la respiration était très difficile. Puis le personnel faisait tout ce qu'il pouvait là, pour essayer de l'aider. Puis, mais sauf que il faut se rendre compte que ce n'était pas paisible. Puis on ne peut pas dire qu'elle était bien malgré les soins, les médicaments, la morphine, tout ça. Puis là, c'est la question, on dit, oui, mais à quoi qui sert ces heures-là de montrer qu'il y a de quoi de beau dans la souffrance, il y a de quoi de bien? Et de se poser, est-ce que Dieu vraiment veut que l'on souffre? Dieu nous a donné un esprit, nous a donné de la compassion. Puis avec l'esprit, puis avec l'intelligence, on invente des nouveaux médicaments où est-ce qu'on peut prolonger la vie. Mais à quel coût? À quel coût? Qu'est-ce que... Et ça, je pense que c'est une question que, au-delà des débats légaux, les églises doivent s'impliquer. Qu'est-ce que la vie en tant que telle? Et qu'est-ce qui est une vie digne? La dignité dans la vie. En anglais, ils ont a life worth of living. L'importance de la vie, mais de l'importance de justement de cette dignité-là, de l'importance qu'on peut y donner. Et ça, c'est des réflexions intéressantes. Et je crois que il y a de l'espace pour la discussion. De s'enfermer dans une position qui est trop légaliste, même religieusement, surtout religieusement, serait une erreur. De réfléchir, de dire, ben, de ce qu'on en sait de Dieu, ce qu'on en sait que Jésus, le message, est venu prêcher. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au-delà de la tradition, au-delà des lois? Est-ce que Dieu veut qu'on souffre vraiment? Est-ce que Dieu fait souffrir quelqu'un atrocement des fois pour nous enseigner quelque chose? Qu'est-ce que ça dit d'un Dieu, quoi? Dieu est sadique?
C'est compliqué, je sais, c'est compliqué. Puis certaines personnes préféraient aller chez le dentiste, faire arracher toutes les dents de la bouche avant de commencer un débat comme ça, mais je pense que c'est un débat important. Et je crois que on ne peut pas fermer le débat. On ne peut pas dire, ah non, non, c'est trop dangereux. Non, je pense que c'est un débat, c'est une réflexion importante. Et j'espère que toute personne va réfléchir sur ce qu'on dit, sur ce que la religion, les églises, l'un et l'autre dit au niveau de la souffrance. Est-ce que c'est nécessaire de souffrir? Est-ce que Dieu veut qu'on souffre ou non? On manque la coche à quelque part quand on parle de Dieu de compassion, que peut-être justement Dieu dit, ben là, je veux dire, il y a une différence entre tuer quelqu'un puis montrer de la compassion. Puis je pense que Jésus, c'est un être qui parlait beaucoup de compassion, puis du respect, puis d'amour. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut apprendre. Fait que cette semaine, j'espère que vous allez être capable de vivre cette compassion-là. Si vous êtes dans une situation difficile, accompagné des personnes malades, des personnes mourantes, que vous soyez ouvert à l'expérience. C'est facile de se cacher. C'est facile de dire, ah oh non, moi je suis pas capable de vivre ça, puis je veux pas vivre ça. Je vous recommande de le vivre. Et je pense que vous le regretterez pas dans le futur. Je vous souhaite de peut-être d'avoir une conversation avec des gens autour de vous sur qu'est-ce que vous voulez pour votre mort? Qu'est-ce que vous voulez pour la mort des autres? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos espérances? C'est quoi vous pensez que Dieu vous appelle à faire dans ces cas-là? Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.